Allez, salut à tous les amis, c'est Warlock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 110e épisode de notre Let's Play commenté sur Assassin's Creed Valhalla. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait les quêtes de Rébellion. Ou Rébellion. Et on avait... Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Et on avait fait quelques quêtes annexes, voilà. Un colis pour Paris et cachette. Donc là, on se retrouve pour l'histoire principale. J'ai fait toutes les quêtes de rébellion à fond, histoire de m'en débarrasser parce que j'ai pas envie de traîner pendant 1000 ans avec ça en vidéo. Donc on se retrouve ici, on doit retrouver Siegfried et on va lui parler. Voilà. Ouais, donc il y a des meutes de rats, c'est cool, je le sais, je suis au courant. Oh, attendez, on va peut-être changer d'arc pour ça. On va prendre l'arc rapide parce que j'ai pas envie d'user... Non, mais c'est celle-là la cape. Oui, voilà, merci. Voilà, cassez-vous. Ah, il est là. Amidez-nous, ici. Allez, c'est parti. Comment m'as-tu trouvé? Où est Toka? Toka a deviné que tu serais ici. Elle est toujours à Melun, à chercher tes hommes de garde. J'ai perdu Angelvin, mais ce soldat m'a dit qu'il se dirigeait vers l'église voisine. Viens, nous pouvons passer par les bas quartiers. Ah, même d'ici, on peut sentir l'odeur de pisse des bas quartiers. Siegfried, je veux empêcher cette guerre d'atteindre l'Angleterre. Je dois rencontrer Charles. Un quoi bon? On ne peut pas discuter avec ces chiens. Qui est le sort de mon frère Sinrich? Non, et c'est pour cela que je dois essayer. C'est la raison de ma venue en Francie. Si je tue Angelvin, je veux que tu m'aides à obtenir audience auprès du roi. Ah, impossible de raisonner avec toi, ami des loups. Tu es aussi sauvage que... Ouais, bah attends deux secondes alors. Hop. Vu qu'on a fini d'utiliser l'arc du prédateur. De l'arc léger. Hop là, voilà. Et on va où comme ça, monsieur? Écran noir des ténèbres. C'est trop fun. Dans nos veines coule le sang des saints. Des conquérants. Les hommes du Nord ont peut-être le nombre, mais nous avons le Seigneur. Regarde-le. C'est Eudes, le comte de Paris et bras droit du roi. Il doit chercher des soutiens pour son armée. Qu'importe la férocité des combats, nous garderons courage et honneur. Nous triompherons de ce mal, comme nous l'avons fait. Toujours aussi vaniteux. À côté de lui, c'est Gosselin, l'évêque de Paris, le redoutable guerrier. Nous nous repéterons de ces deux-là un autre jour. La mission, c'est Angelvin. Pour cela, tu dois réussir à entrer dans l'église. Ouais, mais c'est pas un problème. Ce cloaque. On ne peut pas dire que ça m'aide beaucoup. Si c'était facile, je l'aurais tué depuis longtemps. Mais tu as un avantage. Tu n'es pas connu de ces... Ces gens,
Siegfried le pillard est presque à nos portes. Et que vient-il chercher? La funeste pitance à jamais convoitée par les hommes du Nord. Le sang et l'argent. Le vôtre et le mien. Apparemment, ils me connaissent déjà. Quelqu'un là-dedans sait quelque chose. Il te suffit de l'obliger à te le dire. Nous irons voir Charles. Entendu, et fais vite. Je ne peux pas rester longtemps loin de Melun. Cette puanteur franque me retourne déjà l'estomac. Trois gardes, c'est une insulte. Je vais m'occuper d'eux. Toi, tu trouves Angelvin. Il se cache dans son église. Tu te faufiler, convaincre l'un des siens à t'aider, ou vas-tu rougir de sang toutes les rues, comme tu le ferais? Il n'en mérite pas moins. Mais toi, tu es l'ami des loups, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de mes conseils. Bon alors, que vas-tu faire? Je trouverai ma propre voie. Assassinat de l'évêque Angelvin à l'abri derrière les portes bien gardées de son église fortifiée. L'évêque Angelvin joue pour les populations déshéritées des bas quartiers de Paris le rôle d'un berger très douteux. Parler aux gens de la taverne pour obtenir des indices ou explorer afin de trouver une autre entrée. Les occasions d'infiltration seront indiquées sur la boussole par. Parfaite pour une cérémonie. Elle pourrait m'être utile. Ouais, mais c'est gardé de fou, non? On va aller voir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Le comte Eudes est le protecteur de Paris. L'homme du roi. Et il vous a dit la vérité. Ce qu'on peut attendre des hommes du Nord, c'est d'agir en hommes du Nord. Parce que c'est ce qu'ils sont. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent. Ok, bon, bah ça va. Il y a quand même des gardes là-dedans. Ok. Qu'est-ce que ça va donner? Cette auberge est à toi? À moi? Ce serait faire preuve de naïveté. Qu'est-ce que je peux pour toi? Tu ne manques pas de clients? Si tu veux parler des tablées de soldats qui se gobergent à mes dépens, oui, elles ne me manquent pas. Mais entre nous, cela irait mieux sans ce vieil ivrogne qui passe son temps à se plaindre de l'évêque. Ah, j'en verrais bien au diable. Mais pour être honnête, j'ai besoin de son argent. Il faut que je trouve l'évêque. Évêque? Ce n'est sûrement pas dans cette fosse à purin que tu le trouveras. Il aurait bien trop peur de souiller ces saintes choses. Un prêtre qui tient les comptes de l'évêque vient ici de temps à autre. La dernière fois que je l'ai vu, il était attablé avec des soldats. Merci de ton aide. Tu as l'air de quelqu'un qui aime les complaintes. Tu vas revenir. Occasion d'infiltration. Le tavernier a révélé deux indices menant à la cible. Suivez l'un d'eux ou trouvez Angelvin par vos propres moyens. Le vin délie les langues autant que la bière. Il y a sûrement à la taverne quelqu'un sachant comment entrer dans l'église. Il faudrait que quelqu'un aille voir l'évêque, histoire de lui dire qu'il a pu avoir. Que peut vouloir ma fille à l'évêque et ses soldats? Eh bien, pas moi. Elle est honnête. T'as fini ma coupe? J'ai jamais. Cet évêque me met mal à l'aise. Elle est toute seule. Serviteur de Dieu, il a sale caractère.
Ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais par mes propres moyens? Ou est-ce que je suis l'histoire? Je sais pas en fait. On va aller voir l'ivrogne. Dis-moi, tu as parlé de l'évêque? Il me l'a prise! Ma fille! Elle a disparu! Elle est si douce, obéissante! Elle a jamais volé! Qui t'a pris ta fille? Est-ce que c'est l'évêque? Ces soldats, oui, dans les bas quartiers. Ils ont dit qu'elle avait volé l'évêque, qu'elle était un démon et devait connaître la délivrance. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Je retrouverai ta fille, ici, dans les bas-fonds. Et elle m'aidera à trouver Angelva. Je peux chercher la fille de l'ivrogne dans les bas-fonds. Ou voir s'il y a d'autres choses à progresser. Et après, il n'y a que les gardes. Cela me fait de bonnes pistes. Ok. Je pense qu'on va aller s'occuper de la fille qui a été enlevée par l'évêque. Et qui est... C'est la même chose, monsieur. Bon, bref. Mon dieu, ce jeu. Je pense qu'on va aller chercher par nous-mêmes. Hein. Allez, on va aller voir celui-là là-bas. Si je vais être très honnête, je pense pas avoir besoin d'une... Reste à trouver ce scribe. Au-dessus du puits de l'enfer. Donc ça c'est le scribe, ok. Au-dessus d'un feu. Et là-bas on a quoi? Ah putain, c'est pas vrai ce jeu. Allez, monte un peu. Et là, j'imagine qu'on a la fille retenue dans les bagarres. Et ça? Ouais, je savais que ça allait être là-bas. Eh bien écoutez, on va s'occuper de ça. Allez hop, ça dégage. Ça m'a l'air d'être bon. Hey, ne reste pas là comme ça. Viens m'aider. Dégage. Ici, suis-moi. De justesse. De rien surtout. Ton père m'a dit que l'évêque s'était emparé de toi. Mon père? Oui, c'était les soldats de l'évêque. Je n'ai pourtant rien volé. Ensuite, ils ont voulu m'infliger la délivrance. Tu as volé l'évêque?
as de l'audace? Je viens de te dire que non. Enfin, je n'ai pas pris d'argent. Ce n'était qu'une petite clé d'église. Je veux cette clé. Eh bien, les soldats aussi. Mais tu arrives trop tard. Je l'ai vendue à des bandits dans les égouts. Et pour pas cher en plus. Donc je t'aide et en plus je dois affronter les bandits. Eh oui, c'est la vie. Et puis bonne chance, les égouts ça pue. Bon, il faut que je retrouve mon père avant qu'on le chasse de la taverne. Ok. Ça doit être les égouts. Ah, encore Serra, quoi. Ouais, bon. D'ici là que vous m'atteignez, vous m'appelez. Bon alors, combien vous êtes là? Ah, je passe pas ici parce que... Allez, ça dégage. Voilà. Ouh. Allez, on dégage. Voilà. Cette clé est ornée d'une croix chrétienne. C'est celle d'une église. Ok. Bon, bah, y a plus qu'à sortir, je pense. Hein. Je sais pas si c'est par là, on va voir. Ah, pitié, encore des rats. Allez, hop. Désolé, nous sommes fermés. Tente ta chance en haut. À quoi ça sert de venir là alors? M
maf. Bon, écoutez, on va faire chemin inverse. On va aller à cette église parce que ça m'a saoulé en fait de faire ça. Hein, voilà. Et puis on va traquer le 5 piles par nous-mêmes. Voilà, merci. Pas envie non plus de camper pendant 1000 ans, hein, faut pas exagérer, donc on va aller à l'église. Allez, on s'en fout. Voilà. Et on va aller buter ce fumier. Allez. Bon. Alors vous. Mais genre. Allez, Céline, va me prendre la clé, s'il te plaît. Merci. Ensuite. Chacun de vous a péché et failli devant Dieu. Et pourquoi péchez-vous? Parce que quelque chose en vous vous y pousse. Seul Dieu peut réduire en cendres la noirceur de votre âme. Cherchez la sainte délivrance tant que vous le pouvez. Quelle qu'elle soit, cette délivrance semble sinistre. Ok, alors. Donc lui, il est en dessous. Merde ! Ça se passe ! Faut que je trouve l'évêque Angelvin. Tu sais où il est ? Si tu es là pour la délivrance, tu vas devoir attendre. Ça fait des heures que mon frère attend en haut. En haut? Pour moi, il est en bas, hein, mais bon. Ça... Oui, oui, c'est cool. Allez, hop. Allez, vas-y, j'imagine qu'il y a des rats aussi. Non, c'est pas drôle. «
Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Pourquoi un garde? Qu'y a-t-il derrière cette porte? Ce n'est pas pour toi par ici. Seuls ceux qui portent une aube peuvent aller plus loin. Retourne dans la partie principale de l'église. Oui. T'inquiète même pas, mon gars. Cette clé. Prépare ton cœur et lorsque cela sera fait, franchis cette porte. L'évêque t'attend au-delà. Bienvenue, voyageur. Tes yeux sont couverts et pourtant tu me vois. Justice et innocence sont aveugles, mais elles n'en voient que mieux. Trouve-les. Éclaire le chemin et vois les trésors de Dieu. Dieu est lumière, et en lui, il n'est nulle ténèbre. Le chemin parmi les ténèbres, quand Dieu est. C'est une énigme. Le chemin vers la délivrance. Ce doit être en général. En voilà une. La nonne a dit. Les lumières. Il doit y en avoir une autre. Et de deux. Justice et innocence éclairent le chemin. Sans elles, nous sommes aveugles. Tu es sorti nu du ventre de ta mère, et nu tu repartiras. Entre ici, nu ici. Ok. Bon, Gelva, il va crever, quoi qu'il arrive. Je préfère vous prévenir. Hein. Voilà. Du coup, il va empoisonner l'autre. Et j'aurai juste à faire lui en dessous. Ah, parfait, ça. Pardon ? Le jeu ? Ah, merci. C'est bon ? On va quand même aller voir ça. Ok. Il n'y a plus l'air d'avoir grand monde, donc on va descendre. Hop là. Et voilà. Cet évêque agissait de manière très étrange. J'avoue que cela m'échappe. Il avait un but. Quel amas de richesses. Angelvin ferait un bon billard. Ok. Ok. Ok,
Monsieur, il avait beaucoup de choses. Apparemment, il luttait contre ses penchants. Ok. Cette lettre est adressée à Charles et parle de l'attaque contre Melun. Elle devait être envoyée cette nuit à un bordel de la taverne. C'est là que doit être le roi. Ok. Hop, évite de rester bloqué, s'il te plaît, merci. Hop. Allez. Allez. Voilà. Donc ça, je l'ai vu. Un symbole bien étrange. Il doit avoir une signification. Donc, est-ce qu'on est bon? On est bon. Donc, je vais ressortir de là. Hop. Oh, poussez-vous. Merci. Il faut que je ressors de là. Alors, on va ressortir de là tranquille. Voilà. On va remettre notre cap. On va remettre le point de compétence. Enfin, le point d'aptitude. Voilà. On va remettre notre cap. Voilà. Donc là, j'ai eu une faux. C'est cool, mais moi, les faux, je les utilise pas. Alors, on a eu pas mal de trucs. Plutôt pas mal. Voilà, tac, tac. Nous, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Et puis je vous reprends peut-être de suite après pour la suite, l'épisode numéro 111 de notre Let's Play commenté sur Assassin's Creed Valhalla, le siège de Paris. J'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire, je suis désolé, je me suis pas mal concentré parce que j'ai perdu l'habitude de devoir utiliser des opportunités pour assassiner. C'est un truc qu'on en a dans Syndicate, c'est un truc qu'on a dans Unity, donc c'est un truc que j'ai vraiment perdu depuis, donc le temps de me remettre dans le bain. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire, moi je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour l'épisode numéro 111 de notre Let's Play commenté sur Assassin's Creed Valhalla. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Warlocks, et salut.